Lynn Morissette, biologiste marine, spécialiste du fonctionnement des écosystèmes. Ben, moi, j'ai toujours eu une fascination pour les océans, puis je pratique mon métier depuis, ça fait 20 ans maintenant que je suis biologiste sur différents trucs. Je travaillais beaucoup sur les phoques puis la morue, puis là, maintenant, j'ai élargi ça à l'ensemble de l'écosystème. J'essaie de comprendre un peu la mécanique de ça. J'ai grandi les pieds dans l'eau. Je suivais mon oncle quand j'étais petite, qui était géomorphologue. Lui, il était plus du côté des roches. Mais c'est le seul scientifique que j'ai eu proche de moi quand j'étais petite. Puis je trouvais donc que ça avait l'air le fun, ce qu'il faisait. Puis ça a été l'appel de la science. Là, j'avais comme 4-5 ans. Il y a Cousteau qui disait « On protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. » Donc l'importance de l'éducation, là, surtout avec les enjeux qu'on a de nos jours, elle est cruciale. Les solutions ne viendront pas nécessairement de la tête d'un grand chercheur dans son laboratoire universitaire. Donc, la créativité collective, puis les gens peuvent avoir des idées, puis peuvent faire une différence pour sauver les océans. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous, les chercheurs, de vulgariser ce qu'on sait, puis de le diffuser au grand public.